pouvez avoir vos clés de jambes, d'accord, que vous pouvez tenter. Donc là, on est en 50. Ok. Si le gars, des fois, il ne va pas tout le temps contrôler là, il va être un peu plus lax et qu'il ne va pas fermer ici. D'accord ? Parce que peut-être lui, il essaie de mettre le pied sur le biceps ici, il essaie de faire ça. Moi, je peux peut-être essayer de sortir, tu vois. Et là, je commence à partir sur le côté, j'ai la jambe ici, mais tes talons sont interdits. Donc, je vais me placer en dessous, d'accord ? Je me place en dessous, j'attrape mon kim si possible. Et là, ce que je vais faire, mon pied, je ne vais pas le laisser là, je vais venir sur lui, d'accord ? Je vais venir sur lui, et celui-là, je viens à l'intérieur, là, d'accord ? Et là. Pourquoi je viens chercher ce col-là plutôt que celui-là ? Parce que quand je viens chercher celui-là et que je dois partir en arrière, j'ai l'impression que je me bloque un petit peu. Tandis que lorsque je suis là, c'est verrouillé et j'ai le levier pour passer. Tu sens avec les... Voilà. Donc vous, votre travail, c'est une fois que vous avez chopé la jambe, c'est tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Et ensuite, restez ici, parce que souvent je vois que vous êtes là. Ah, prenez le pied, même limite là. D'accord, boum. Parce qu'il y en a, depuis la 50, ce qu'ils font, si le mec ne tape pas d'ici, regardez, et c'est légal. Hein. Là, il relâche, genou. Tu vois, imagine. Bam. Ok, c'est pour ça que c'est dangereux. C'est bon, donc vous allez faire comme ça, il prend ici, il essaie, hop, vous allez anticiper, c'est croisé, il y a, donc ces jambes sont pas croisées, boum. Si vous essayez d'ici, je trouve qu'il manque, vous pouvez peut-être le faire taper, mais selon moi, il manque des leviers. Là, parce que là, il ne peut pas revenir, il ne peut pas. Ça, c'est pourquoi, c'est pour compresser sa jambe. Et vraiment, elle est vraiment puissante. Et si vraiment il ne tape pas, d'ici, ah, tu t'aimes bien. Hein. C'est bon pour tout le monde ? Ouais. Un, deux.